solidaires avec Caporal Soulal. Nous solidaires avec Caporal Soulal. Nous solidaires avec Caporal Soulal. Qui fait à papé pays nous Performance Bonnes. Qui fait à papé pays nous Performance Bonnes. Qui fait à papé pays nous Performance Bonnes. Dans les annales de la force policière, première fois un groupe de policiers, à 11 policiers, qui nous met debout devant Government House pour nous crier haut et fort, nous avons différents problèmes, grievances et bonnes revendications qui le commissaire de police et aussi l'autorité pas prendre en considération. Vous avez trouvé là à travers différents pancartes qui sont devant eux. Il y a beaucoup de messages qui n'ont envie de faire passe au commissaire de police, à son administration et aussi au premier ministre et aussi à ministre Mento. Depuis un certain temps, nous avons remarqué que les policiers peuvent faire face avec beaucoup d'injustices, grievances, problèmes et différentes revendications peuvent tomber dans une oreille sourde. Monsieur le commissaire de police, la plupart du temps, sur les temps de haut. Là, comme on tout connaît, l'équipe Maurice dimanche, il est allé en Amérique pour 3 semaines. Par exactement, qui mission il est allé. Alors, que ce policier peut gagner batté, ce policier peut souffrir, il est toujours utile pour l'envoyage. Mais nous, comme un syndicat responsable, nous sommes capables de rester insensibles à un problème de bande policier qui, des jours en jour, peut venir grave et ça peut saper notre morale et ils n'ont plus envie de travailler. Mais là, les commissaires de police sont très au courant de ça. Mais ils ne peuvent prendre aucune action. Nous avons un parmi les exercices qui les policiers peuvent faire face. Et notre rapport du PRB qui vient faire mention de plusieurs recommandations en faveur des policiers. Un là-dedans, c'est ce qu'il appelle performance bonus. Qui PRB dit à tous les policiers durant le constat inspecteur, vous avez 12 ou 3 autres incriminés qui vous payer les autres en janvier. Là, je vous rends compte, nous arrivons septembre. Pas tout un sou de sa performance bonus là. En 3 occasions, nous n'écrivons le commissaire de police, mais l'aide mort toujours. Le 9 juillet, nous venons quitter une lettre au bureau du Premier ministre, ici même, pour faire connaître qui performance bonus, pas fait payer, qui fait pas fait payer, donne-nous une réponse. Mais Iskalien ne peut avoir aucune réponse du bureau du Premier ministre, même du commissaire de police. Juste maintenant, fin répondre moi, fin de nous comme ça, qu'ils ont maté, ils sont considérés. Mais hier, nous avons un choc de nous la vie. Depuis le 12 juillet, le bureau du Premier ministre, à travers le High Power Committee qui vient mettre en place, nous avons saisi, nous avons décidé qui pas pour payer les policiers, les autres performances bonus. Nous nous rendons compte, le commissaire de police vient prendre sa lettre là, vient garder ce tiroir. Nous avons une copie de sa lettre là, pour nous éclairer. Nous vraiment scandalés par le comportement du commissaire de police. Ce policier va gagner, le jour. Jamais les fans informent le syndicat de sa décision-là. Mais nous demandons le Premier ministre de High Power Communique, communique-nous officiellement en écrit sa décision-là pour nous capables à la cour, pour nous déposer une plainte, nous faire une judicial review pour contester la décision de High Power Communique parce qu'ils ont fini de prendre une décision qui est ultra-virus, qui est illégale. Tout à l'heure, vers les midi, pour aller comme ça, nous allons déposer une lettre au bureau du Premier ministre à côté et aussi au Bento dénonce. Ça a fait qu'appelle performance bonus qui n'a pas payé là. Et aussi, nous demandons une rencontre d'urgence avec le Premier ministre et aussi le ministre Mento, qui est le responsable de la force policière. Et aussi, nous demandons le Premier ministre qui est né pour amender la loi. Avec une sentence bien sévère contre une personne qui agresse un policier en service. Depuis janvier, il y a près de 90 policiers qui viennent agresser en service. Mais c'est trop. Mais né pour les autorités, prend action, viennent avec la loi sévère, pareil qu'il y a en Angleterre, dans un pays européen. Quand tous les policiers, c'est prison. Ici, quand tous les policiers, ou blessent les, ou gagnent un laman. Mais le laman n'est pas un signal faux qui décourage les gens arrestent les policiers.